Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit résumé du Nintendo Direct de février 2019. Et du coup, commençons. Tout d'abord, cela commence eh bien par l'annonce de Super Mario Maker 2, du coup, très très sympathique. Jeu que, bon, ça va, sympathique, j'espère que je pourrai me le procurer. Ensuite, il y aura eu quelques jeux, je vais pas dire random, mais personnellement qui m'intéressent pas tellement. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, Box Boy plus Box Girl qui peut être intéressant. La mise à jour 3.0 de Smash 3 avec l'annonce bien des nouveaux amiibo Snake, Simon, Carbus, Herbizarre et Red de le dresseur de Pokémon. Captain Toad, bon, mise à jour un peu OSF. Bloodstained Ritual of the Night, ça ne m'intéresse pas malheureusement. Dragon Quest Builders 2, pareil. Dragon Quest 11S également, malheureusement pas mal de choses ne m'intéressent pas. Disney Toon Sum Festival, aucune envie d'y jouer. Starling Battle for Atlas, malheureusement non. Rune Factory 4 et l'annonce de Rune Factory 5, je ne connais pas malheureusement la série, du coup je peux pas être hypé. Ensuite, eh bien, Oninaki, bof. Fire Emblem Three Houses, bon bah Fire Emblem c'est pas une licence qui m'intéresse tellement pour l'instant. Tetris 99, le meilleur Battle Royale au monde, évidemment, ce qui m'intéresse beaucoup. Dead by Deadlight, Deltarune chapitre 1, des jeux qui m'intéressent un peu quand même. Demon X Machina pour l'instant, m'intéresse pas tellement. Grid Autosport également, Hellblade Senua's Sacrifice pareil. Et ensuite, Mortal Kombat 11 qui ne m'intéresse pas. Unravel 2, sympa. Assassin's Creed 3 Remastered, pourquoi pas. Final Fantasy 7, peut-être qu'il faudrait que je me le fasse un jour. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody. Bon bah à quand un donjon mystère Pokémon maintenant s'il vous plaît. Final Fantasy IX également, ça là ne m'intéresse pas tellement. Et la petite mise à jour de Yoshi's Crafted World, sympathique. Et évidemment, Zelda Link's Awakening, le remake qui m'intéresse eh bien quand même. Du coup voilà, j'espère que ce Pokénews assez court vous aura plu. On se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour une prochaine aventure. C'était Bogan5, enjoy.